Attention, je détesterais voir des gens sympas comme vous tomber là-dedans. Merci encore d'avoir visité le célèbre puits sans fond des cavernes de Carlsbad. Je suis le garde forestier Randy et je serai plus qu'heureux de répondre à toutes vos questions. Comment le puits a-t-il été fait? Les scientifiques ont conclu que la fosse avait été naturellement formée par l'érosion de l'eau et par des serpents géants crachant de l'acide. Non, je plaisante pour les serpents. Ce gars est trop drôle. Alors il est vraiment sans fond? Pour autant qu'on puisse dire. Ils ont essayé tous les moyens possibles et imaginables pour déterminer jusqu'à quelle profondeur il allait et jusqu'à présent ils se sont creusés la tête pour rien. Creusés. Il y a aussi ceux qui prétendent qu'il atteint le centre même de notre planète Terre. Oh. Donc personne n'a jamais vu le fond? Non. C'est vrai? C'est vrai. Alors il se pourrait qu'il y ait quelque chose en bas. Laisse le gentil garde forestier répondre à la question de quelqu'un d'autre. Et ne commence pas à partir dans tes délires. La voie est libre? Ouais, je crois. Génial! Oh, je vais baptiser cette terre Benland. Oh, l'édition légendaire des sumo massacreurs. Je croyais que c'était un mythe. Oh, j'adore cet endroit. Regarde, tu vois cette barrière? Ouais. Et les panneaux d'avertissement? Ils sont tous là pour une bonne raison. Même avec tes pouvoirs, Ben, si tu te blessais en bas, personne ne pourrait t'aider. Enfin, je... J'aurais jamais... Ouais, vous avez sûrement raison. Tu sais, c'est beaucoup plus facile d'avoir des ennuis que d'en sortir. Bon, si on allait voir le dôme géant... Je connais ce rire. Wow, Tennyson, je suis surpris que tu te sois dégonflé comme ça. Ben, allons-y. Pourquoi t'es là, Kevin? J'avais pas réalisé qu'une poule mouillée était un de tes aliens. Tu pourrais t'en aller, on essaie de profiter de la visite. On se détend, je suis ici pour voir ce fameux trou dans le sol, c'est tout. Je reviens tout de suite. Tu viens de me traiter de poule mouillée? T'es vu baver d'envie d'aller en bas, mais un mot de ton cher vieux grand-père est à renoncer. Je parie que t'avais trop peur pour y aller. Je parie que toi, t'as trop peur pour aller là-dedans. Oh, tu m'as grillé. Regarde ça, le ranger a le dos tourné. Ouais, bah, grand-père et Gwen sont prêts à partir. Encore faux. Écoute, j'ai vraiment rien à te prouver. En fait, je t'ai même sauvé la vie une fois ou deux. Donc je sais qu'il est plus facile de s'attirer des ennuis que de s'en sortir. Oh, je vais pas me battre avec toi, Kevin. C'est drôle que tu penses pouvoir me combattre. Ça suffit. C'est là que j'interviens. Voyons qui est le plus courageux maintenant. Approche si tu oses. Messieurs, dois-je vous rappeler que cette caverne est vieille de plus d'un million d'années? Elle est fragile et pourrait très facilement s'effondrer tout autour de nous si vous continuez à faire du grabuge. Oh, ouais, désolé, monsieur. Ouais, comme il a dit. Voilà, très bien. Vous êtes drôlement calme à l'idée de l'effondrement de la caverne à cause de deux aliens musclés. Non, je suis garde forestier. J'ai déjà tout vu dans ma vie. D'accord, j'ai tout vu, sauf ça.